place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Bonjour, nous sommes avec Didier Ballet, responsable du restaurant L'Épicurien. Bonjour Didier. Bonjour Hector. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le restaurant L'Épicurien ? Alors, le restaurant L'Épicurien, c'est quoi ? C'est un restaurant ouvert midi et soir. On fait de l'événementiel aussi le soir. Et là, la nouveauté, c'est qu'on ouvre le jeudi, vendredi et samedi soir avec de l'animation. Donc, la fête. La fête, ouais, non seulement la fête, mais autour aussi de mai, de qualité. On va faire des animations aussi avec des barbecues dehors, des soirées blanches. On va faire des terrasses avec du sable, venir pieds nus, ça va être sympa. Didier, bien évidemment, ça c'est ton business, mais à te voir courir un peu partout, sourire, dire bonjour aux clients, j'ai l'impression aussi que tu prends beaucoup de plaisir. Alors moi c'est ma priorité, donner du plaisir aux gens. Je gagne pas beaucoup d'argent, on va dire, mais je rigole beaucoup. Donc c'est ce qui me permet d'avancer dans la vie, de faire plaisir surtout aux gens. Merci beaucoup Didier, à très bientôt. Merci Hector. Saint-Jacques, avec un petit fumet de poisson, avec des têtes de homard. Allez. Je prends une plaque. Je vais compter un peu. Vous le saisissez. Allez, vas-y, sinon t'en mets au taquet sur la plaque. Donc après avoir coupé les Saint-Jacques en deux, on les a snackés juste avant pour les tiédir. Un petit coup comme ça, très chaud, 200 degrés, quelques secondes sur chaque face. Après ceci, on va prendre les asperges qu'on a blanchies un petit peu avant. On vient les couper en deux pour un petit peu de présentation. Comme ceci. Là, on va venir prendre notre queue et on va venir faire des petits morceaux. Pour amener un petit peu de croquant, on va venir parsemer comme ceci. Et là, on va venir avec le petit fumet que je vous ai dit tout à l'heure. On va venir parsemer comme ça. Quelques gouttes, parce que c'est hyper puissant.
un petit coup d'huile. La petite touche de l'épicurien, c'est ça. Ah, t'aimes bien le bruit. Et là, petite verrine de Saint-Jacques aux asperges croquantes et un petit fumet d'écrevisse. Bon appétit. OIB TV vous présente aujourd'hui One Man Songs. Avec nous, Christian. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, One Man Songs, tu fais quoi exactement ? One Man Song, comme si on pouvait traduire littéralement, ça serait un homme et des chansons. Voilà, je ne m'interdis rien dans un répertoire d'interprétation qui va des années 50 à aujourd'hui. Et au travers de soirées, voilà, de festives et animations. Alors, à te voir en spectacle, tu prends vraiment du plaisir. Ah, complètement. Mais c'est sûrement au départ un plaisir de chanter, mais c'est aussi un choix de vie. C'est-à-dire que j'ai fait des tas de choses dans ma vie, mais des métiers comme certains diraient traditionnels, des métiers normaux, on va dire. Et puis un jour, fort de cette passion-là et de cette envie de chanter uniquement, j'ai eu envie de faire que ça. Et aujourd'hui, je chante, voilà, je ne fais que chanter. C'est mon métier, j'en ai fait mon métier dans un statut un peu indépendant, mais voilà, même pas intermittent du spectacle, mais indépendant. Et je donne du bonheur aux autres. Et je m'aperçois que finalement, c'est très très bon pour le moral et pour ma santé psychique personnelle. Et ces bonheurs, tu le donnes donc pour des anniversaires, pour des mariages, pour dans des casinos, dans des restaurants. Absolument aucun. Je ne m'arrête à rien. Enfin, c'est-à-dire, toute demande est envisageable et j'y réponds le plus souvent possible en fonction de mon calendrier qui est tant mieux, assez chargé. Mais oui, je peux me déplacer pour un anniversaire, pour une soirée privée, même quelquefois dans un appartement avec des amis qui ont envie de faire la fête, et autrement avec des soirées un peu plus un peu plus importantes et des casinos aussi qui me font confiance depuis des années maintenant, le groupe Barrière et Partouche, et voilà. Mais tout peut, oui, bien tout est possible. Quand on veut donner du bonheur aux autres, en fait, on n'attend pas d'avoir 200 personnes devant soi. On peut le faire pour 10 ou 2. S'il y en a qui le veulent, pour 2 personnes, c'est possible. Alors, en parlant du bonheur aux autres, tu as donné du bonheur dans le cadre d'une émission des Naguis à la télé. Tu as gagné des prix. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience ? Oui, c'est une expérience très particulière, parce que c'est même pas moi qui me suis inscrit à cette émission, n'oubliez pas les paroles. Et ça avait été une volonté de ma fille de m'inscrire secrètement à cette émission, et j'ai reçu la convocation, donc je m'y suis rendu. Et j'ai été convoqué, et j'ai été sélectionné, et j'ai joué. Et j'ai gagné, voilà, 35 000 euros. Et en fait, ces 35 000 euros, aujourd'hui, je m'aperçois que... quand je les ai gagnés, j'étais très heureux, évidemment, mais... Voilà, je chante depuis 25-30 ans maintenant, et je trouvais que voilà, c'était pour faire plaisir. Ça pouvait pas être autrement que pour faire plaisir aux autres. Et donc on a alloué une grosse partie de ces gains à la reconstruction d'une maison pour des gens qui sont devenus aujourd'hui des amis au Cambodge, et qui avaient eu leur maison rasée par des inondations.
Et depuis, ben, j'y vais tous les deux ans, c'est devenu des amis. Puis des amis comme on a envie d'en avoir et comme on en rêve d'avoir des amis. Ceux qui vous accueillent les bras ouverts et qui ne veulent plus que vous repartiez. Ça, c'est des amis. Voilà. Et tu as gagné une deuxième fois un 12e prix qui était pour une association également. Voilà, ça c'était une autre émission que j'ai fait avec Michel Bernier. Donc Michel Bernier et Antoine Duléry. J'ai pu regagner à ce moment-là 35 000 euros effectivement, mais qu'on a donné une association pour des enfants hospitalisés. Voilà. Merci beaucoup Christian. Ah, mais je t'en prie, c'est un vrai plaisir d'être rencontré à chaque fois, Hector, et merci de ce petit relais télévision, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez besoin d'un animateur et d'un fou en chanson, on est là, je suis là. Merci, à bientôt et bonne continuation. Je remercie tous les clients qui sont là, déjà, et d'une. Et j'espère que ce feu d'artifice leur a fait un énorme plaisir comme moi j'ai pu avoir du plaisir. Merci à vous. Allez, on y va. Ça y est, c'est parti. Action. Nous sommes avec Didier Ballet, responsable des... Ça y est, c'est bon ? Nous sommes avec Didier Ballet, responsable du restaurant L'Épicurien. Bonjour Didier. Bon, allez, tiens. Non, je t'assure. Non, mais t'arrêtes de rigoler. Mais c'est pas bon, rire, rigole, putain. Mais allez, viens là. Allez, viens. Ça y est, c'est bon ? Non, en fait, tu commences avec moi et puis après, tu me fais les deux. Voilà. C'est bon ? C'est bon, là ? Ok. Bonjour, pour OIB TV, nous allons... Non. Tu veux couper, là ? Ok, on y va. C'est bon ? Bonjour, pour OIB... Ouais. Bonjour, OIB TV vous présente aujourd'hui One Man Songs. Avec nous, Christian. Bonjour Christian.